Je savais pas. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Une vidéo que j'ai hâte, que j'avais hâte de vous tourner depuis le début des vacances. C'est ma deuxième vidéo de la série Back to School. Et c'est bien évidemment mon haul de mes fournitures scolaires. Donc c'est parti, perdons pas de temps. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je passe en terminale, donc c'est ma dernière année de lycée. Comme depuis le début du lycée, j'ai eu une petite liste de fournitures scolaires. Bien évidemment, j'ai gardé énormément de fournitures de l'année dernière à cause du confinement. Puis du 1 semaine sur 2, puis du 2 semaines sur 3, j'ai pas beaucoup utilisé mes fournitures de l'année dernière. Donc il y a énormément de trucs que j'ai gardé. Mais j'ai aussi acheté quelques petits trucs qui me manquaient, donc... Donc voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Tout d'abord, pour l'organisation, l'année dernière, j'avais acheté 4 trucs comme ceci, donc pour mettre les cahiers et les feuilles de cours dans mon bureau pour pas prendre de, pour pas que ça prenne de la place. Donc je les ai gardés, ils sont en parfait état. Ensuite, l'année dernière, j'ai aussi gardé ce classeur. Je l'avais acheté l'année dernière pour mettre toute mon année de première, sauf qu'au final, en fait, j'ai utilisé énormément de cahiers. Puis le français, bah, tout est passé à la poubelle. Puis d'autres matières, en fait, je me suis dit, ça a rien de tout garder. Donc, la plupart, c'est passé à la poubelle ou alors le reste, c'est passé dans des cahiers. Et donc, j'ai pas vraiment utilisé de classeur. Donc, du coup, il me le reste pour cette année. Il me reste aussi encore un bloc-notes Oxford. Donc, en fait, c'est un bloc-notes avec des feuilles détachables. Et je trouve ça beaucoup plus pratique à mettre dans le sac. Comme ça, on a toujours des feuilles avec nous. Ensuite, il me reste des fiches Bristol, donc voilà. J'ai beaucoup utilisé quand même des fiches Bristol colorées et les blanches, mais les toutes blanches, non. Je les ai surtout utilisées au début de l'année pour ma société SES. Pour les maths aussi, je les ai utilisées. Et surtout, à la fin de l'année, je les ai utilisées pour le bac de français, donc voilà. Ensuite, j'ai du papier millimétré parce que je ne sais plus en quelle année on nous a demandé du papier millimétré, mais on s'en est jamais servi, ou presque pas. Ensuite, je garde mon cahier de SVT l'année dernière parce que sur les 100 pages, j'ai vraiment utilisé que ça. Donc, je vais les arracher et il me reste quand même énormément de pages. Donc, voilà. Pareil pour le cahier d'histoire, pour les cahiers de géo, parce que moi, j'utilise un cahier et pour l'histoire et un pour la géo. Bah, c'est pareil, je me suis presque passée avec deux feuilles. Donc, j'ai arraché les pages et je garde le même cahier. Ensuite, pour le théâtre... J'ai deux pochettes comme ceci, donc pareil, qui datent des années précédentes. C'est pour mettre au cas où si les profs me donnent des papiers, des scripts ou des trucs dans le genre. Je les mets dedans. Ensuite, dans ma caisse, il me reste énormément de pochettes et de feuilles des autres années. Quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Donc, pas besoin d'en racheter. Du coup, maintenant, je vais vous montrer mes fournitures de chez Nose. Donc tout d'abord il y a ce classeur qui coûtait 1,50€ et qui est vraiment hyper beau. Je vais m'en servir pour la philosophie je pense, même je suis sûre. Et pour la philosophie aussi j'ai acheté un cahier mais je vous montrerai plus tard. J'ai aussi un petit classeur comme ceci pour mettre les fiches Bristol. J'ai une pochette comme ceci pour mettre les papiers importants. Genre si on me donne des papiers pour le bac, ben, je les mets dedans comme ça je suis sûre qu'ils sont dedans. Ensuite j'ai acheté un planeur, la grosse pochette coûtait aussi 1,50€. Le petit classeur, je ne sais pas. Ensuite, j'ai acheté un planeur comme ceci avec des post-it et les jours de la semaine, quoi, pour écrire mes devoirs dessus au fur et à mesure. Il coûtait 2,99€. Ensuite, au milieu d'année, j'ai acheté, j'ai acheté mes deux carnets de bord pour le théâtre. Donc, celui-ci, c'est mon carnet de spé et celui-ci, c'est mon carnet d'options. Donc j'ai déjà commencé à écrire des petits trucs, mais bon, donc voilà. Mais franchement, ils sont magnifiques. Donc, voilà. On va passer maintenant à tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. C'est tout dans cette petite poche. Donc, la poche ici. Et je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai acheté. Excusez-moi pour le bruit. Je sens que cette vidéo va être longue à filmer parce que mon stockage me joue un petit peu des tours. Mais bon, on va quand même positiver parce que je suis archi contente d'avoir fait mes fournitures scolaires. Donc maintenant, je vais vous montrer tout ce qui vient de chez Action. Donc, tout d'abord, j'ai acheté deux cahiers comme ceci. Donc c'est des cahiers de la marque Oxford. Est-ce qu'il y a le nom de la... Non. Donc il y a 240 pages dans le petit cahier. Et en fait, c'est des cahiers donc à feuilles lignées.
Mais c'est des feuilles qui se détachent. Donc elles se font comme ça, c'est des feuilles qui se détachent. Et on peut aussi les scanner sur le téléphone avec l'application Scribzy, je crois que c'est le nom de l'application, oui. Et donc en fait, vous avez aussi vos cours sur le téléphone. Et en plus, les feuilles, elles sont différentes couleurs. Donc je trouve ça super beau. Donc ça, c'est pour le théâtre. Genre, je m'en sers de cahier de brouillon en fait pour mettre toutes mes idées sur ce que je veux écrire au théâtre. Et ensuite, je les réécrirai au propre dans mes carnets de bord. J'ai acheté aussi donc en grand. Donc c'est pas la même couleur, il y a du violet en plus. Donc c'est la même chose. Les feuilles sont détachables. Donc je crois que je l'ai pas dit pour le petit cahier, mais c'est pareil pour le grand. Les feuilles sont détachables. On peut scanner sur l'application Scribzy. Et pareil, différentes couleurs. Donc lui, je vais m'en servir pour la philosophie, suivant les chapitres, suivant les leçons. Ben, je changerai de couleur et ensuite je les mettrai dans mon classeur. Ensuite, j'ai acheté un lot, enfin un lot, non, j'ai acheté 7 pochettes comme ceci chez Action. Enfin, c'est toujours chez Action de toute façon. Donc, celles à motifs, elles étaient dans les 70 centimes. Et les deux là, elles étaient dans les 30 centimes. Et les grilles dans les 2-3 euros. Donc, les pochettes comme ça, je vais m'en servir pour mettre au fur et à mesure de l'année mes fiches Bristol. Enfin, au fur et à mesure des leçons, mes fiches Bristol. Et à chaque fin de leçon, j'enlèverai les fiches Bristol des pochettes intégrées. Pas pour les leçons, quoi. Et je les mettrai dans mon classeur. Compliqué. Donc, il y a celle-ci. Je la trouve vraiment trop mignonne. Celle-ci. Et donc deux basiques, une rose et une violette. Il n'y en avait pas des plus petites malheureusement, mais c'est pas grave. Au moins on est sûr que les fiches postales rentrent dedans. On va passer à ce qui vient de chez Bureau Vallée. Le ticket fait 40 000 mètres. En fait, il est hyper long parce qu'en fait, il y a plein d'articles que j'ai pris en plusieurs fois vu que c'était un acheté, un gratuit. Donc voilà. Et donc ensuite, il y a là, ici, écrit combien on a eu de réduction en tout. Donc en tout, on en a eu pour. C'est écrit où? En tout, on en a eu pour 54,98 euros. Et on a économisé 15,75 euros. Donc voilà. Du coup. Ce qui est super bien chez Bureau Vallée, c'est que souvent pour les rentrées scolaires, ils font des 1 acheté, 1 offert. Donc c'est franchement super. Donc voilà. Tout d'abord, j'ai pris des intercalaires pour mes classeurs. Donc ça faisait partie du 1 acheté, 1 offert. Enfin, c'est 1 acheté, 1 gratuit. Moi, je préfère dire 1 offert parce que du coup, bah, si c'est gratuit, c'est offert quoi. Écoutez, 2,99 € je crois. Non, j'ai vérifié sur le ticket de 2000 mètres. Coûtait 2,90 donc ça faisait partie du 1 acheté 1 offert. Pareil pour les classeurs, ça faisait partie du 1 acheté 1 offert. Les classeurs étaient à 3,50 €. Moi je vais prendre le classeur bleu pour la physique chimie. Et donc le violet il me servira au cas où mon classeur de physique se casse en réserve. Ensuite j'ai pris un trieur, coûtait 8,69 €. Il est vraiment archi beau, il y a écrit It's School Life, la couleur est vachement belle. Je vais m'en servir pour la SES et pour l'EMC. Ensuite, j'ai pris 3 cahiers de la marque Oxford et ils coûtaient 2,99 € chacun. Donc franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Je vais m'en servir pour l'histoire. Ah, ils sont un petit peu allumés là. Pour l'histoire, pour l'anglais et pour l'espagnol. Ensuite, j'ai pris 4 bloc-notes comme ceci, parce qu'il y avait le 1 acheté 1 offert. Donc j'en ai pris 4 pour le prix de 2. Donc ça fait 5 euros les 4 au lieu de 11 euros et quelques. Ensuite j'ai repris des fiches Bristol. C'est des longs perforés. À chaque fois je fais jamais gaffe, mais c'est pas grave parce que j'ai ma petite perforatrice que j'ai achetée l'année dernière. Parce que j'ai fait la même chose, j'avais acheté des longs perforés. Parce que j'avais pas beaucoup, il m'en reste plus beaucoup dans mon couleur, donc j'ai repris. J'ai repris des crayons de couleur parce que je ne sais jamais où sont les miens. Donc. Un petit lot de couleurs pour l'histoire géo. J'ai pris des souris correcteurs, enfin des souris quoi. Donc marque prise, voilà, c'est un lot de 3.
J'ai arrêté de dire les prix, excusez-moi. Alors. Oula. Ah, tu fais du bruit. Ensuite, pour la trousse, j'ai pris de l'eau de colle. La marque Vic. Ils étaient à 3,19€ le lot de colle. Ensuite, j'ai pris un lot de correcteurs à 1,39€. J'ai pris des crayons de couleur à 99 centimes. Pour mes révisions, j'ai repris des fiches Bristol non perforées, parce que j'ai acheté une perforeuse l'année dernière, que j'avais oublié, enfin je me suis trompée, donc voici la perforatrice. Je sais pas si on dit perforeuse ou perforatrice. Ensuite, j'ai repris un Tipex, un blanco liquide, parce que c'est bien des fois quand il y a des petites fautes de mettre, genre si tu oublies un accent ou si tu rajoutes un accent, ben c'est mieux de mettre une petite trace de blanco liquide que de grosses traces de souris. Il coûtait 1,69€. Le bloc de fiche postale coûtait 4,99€. Ensuite, j'ai pris des fluos, enfin des pastels. J'ai pris les 4 nouveaux pastels. Les couleurs sont magnifiques. Parce que j'ai déjà tous les autres, donc on continue la collection. J'ai pris, écoutez, 99 le fluo, je crois. Enfin, le surligneur, voilà. Ensuite, j'ai pris 2-4 couleurs. J'en avais déjà l'année dernière encore, mais en réserve, voilà. Écoutez, 2,18€ le 4 couleurs. Mais pareil, il y avait le 1 acheté à offert, donc ça fait 2,18€ les deux. J'ai repris un taille crayon parce que je ne sais pas ce que je fous avec mes taille crayons. Mon taille crayon l'année dernière, je l'avais vu il y a pas longtemps, mais je l'ai perdu, je le retrouve pas. Donc j'en ai pris un petit bleu comme ceci, il coûtait 1,09€. Voilà. Je l'ai trouvé sympa la couleur, donc j'ai pris celui-là. Ensuite j'ai pris 4 feutres comme ceci, donc c'est des feutres Stabilo Pointe Max. Donc j'ai pris, donc la mine c'est une 0,8. Donc j'ai pris les 4 couleurs parce qu'il y avait un acheté, un offert, donc il était à 1,14€ le Stabilo, voilà. Enfin le petit stylo quoi, enfin Stabilo c'est la marque, donc voilà. C'était à 1,14€ le Stabilo et donc ça fait 2,18€ les 4, ou un truc dans le genre. Donc voilà pour tout ce que j'ai acheté chez Bureau Vallée, maintenant je vais vous montrer ce que je garde niveau trousse de l'année dernière. Donc tout d'abord, j'ai une trousse comme ça de chez Action avec plein de feutres de couleurs. J'aime beaucoup trop. Donc, faire attention parce qu'elle a abîmé la trousse. Donc voilà, il y a vraiment énormément de feutres de couleurs. Enfin, j'aime beaucoup trop ça. Donc voilà. Ensuite, ma trousse normale, donc ma trousse avec une peinture, c'est une trousse Ispac que je l'ai achetée l'année dernière. Il n'y avait pas la même couleur que mon Ispac, donc j'ai pris une noire basique. Donc à l'intérieur, il y a une règle comme ceci, un blanco liquide. Donc voilà, il n'y a même plus le bouchon. Deux 4 couleurs, parce qu'on ne sait jamais, les 4 couleurs ça se finit vite. Donc j'en ai mis deux, voilà. Et du coup je vais changer, je vais mettre un bleu comme ceci, comme ça on ne sait jamais. Ensuite j'ai deux crayons de papier, je mets tout par deux, on sait jamais si je perds en fait, donc voilà, un 4 couleurs avec les couleurs pastel, une gomme, une souris qui me reste pareil de l'année dernière, je n'ai pas fini. Ensuite j'ai mes fluo pastel, donc les autres, les anciens. Enfin les anciens. Les anciens, c'est les 4 couleurs de base. C'était le violet, bleu, rose et vert. Et ensuite en nouveau, la dernière, il y avait le jaune et l'orange. Et donc là, il y avait 4 nouveaux, donc je les ai pris. Prions que tous les surligneurs rentrent dans ma trousse, que j'en ai vraiment énormément. Une paire de ciseaux. Et 2 clés USB. Et une mini gomme aussi. Pourquoi j'ai mis 2 gommes, je ne sais pas. Donc voilà. On passe au sac de cours, deux sacs que j'utilise le plus souvent. J'en ai plein, mais c'est... Il n'y en a que deux que j'utilise. Ouais. On passe au sac, donc le plus souvent j'utilise mon Ispac.
Donc il est comme ça, je l'ai acheté en quatrième, je crois. Donc il est un petit peu sale, voilà. Faut que je pense donner à ma mère pour qu'elle passe à la machine, parce qu'il n'est pas encore passé à la machine. Donc voilà, j'ai mon Insta comme ceci, il y a un petit porte-clés que j'avais quand j'étais petite. Un petit porte-clés où il y a écrit mon prénom, donc Cassandra, et un petit porte-clés Eastpak. Voilà. Et ensuite, j'ai mon sac à main qui vient de chez Shein, bref, tout comme vous voulez. Donc il ressemble à ça. Et franchement, pour un sac à main de chez Shein, à 16,99€, je crois qu'il était, que j'avais acheté l'année dernière, il est vraiment très costaud. Il y a aussi une petite anse, mais moi je l'ai enlevée en fait, parce que ça me saoulait. Franchement, quand j'étais en seconde, j'avais acheté un sac à main à 30€ à la halle, le sac à main. Au bout de 2 semaines, il était KO. Donc franchement, là, pour 16€, ça vaut le coup. Et ensuite, j'ai d'autres sacs à main. Ça, c'est le sac à main que l'année la première m'a donné. Donc voilà, quand j'ai beaucoup de cours, bah, je les mets dedans. Mon stockage en aura vraiment fait des siennes durant cette vidéo. J'ai supprimé je ne sais combien d'applications sur mon téléphone pour pouvoir continuer la vidéo. Petit spoil du try and haul qu'il y aura quand j'achèterai mes vêtements. Mes vêtements, je les achèterai la semaine prochaine plutôt. Donc j'ai acheté des filles là à 40€ et 59,99€. Et franchement, elles sont canonissimes. Franchement, ça fait un petit moment que je voulais des filles là. Et franchement, elles sont blanches, simples, roses, holographiques, vraiment. Elles sont trop, trop belles. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo haul fourniture scolaire vous aura plu. Moi, j'ai pris un plaisir à la filmer, à part au moment où mon stockage en faisait des siennes et où j'ai dû supprimer énormément de vidéos. Ah, je vous ai pas dit, j'ai aussi acheté un petit critérium comme ceci, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai aussi pris un petit critérium comme ceci. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à filmer cette vidéo, à part au moment où mon stockage en faisait des siennes et j'ai supprimé je ne sais combien d'applications de mon téléphone. Mais ce n'est pas grave. Je vous laisse là. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo de la série Back to School. Donc la prochaine, à mon avis, ce sera la What is in my bag, ou alors ce sera le try and haul, ça dépend. Puis aussi, il manque aussi la vidéo Veille Plus, jour de la rentrée. Bref, il manque énormément de vidéos de la série Back to School et je suis très très contente de vous filmer toutes ces vidéos. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites ce que vous avez à faire. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux si vous avez envie. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!